Il y a des questions, des remarques. Qui se lance? Quelle est la cote de popularité du roi? Dans un pays où le roi est sacré, il est difficile de mesurer ce genre de choses. Dans un pays où le roi est sacré, je fais partie du tabou. Pas de sondage. Ouais, je vous rappelle qu'un journal magazine avait fait un sondage en collaboration avec le journal Le Monde français sur le roi, sur la personne du roi, qui était favorable à 91% pour le roi. Le journal a été interdit, ramassé de la l'imprimerie. Le Monde a été interdit d'être vendu au Maroc parce qu'on n'a pas le droit de juger le roi. Donc, on n'a pas le droit de parler du roi, de le sonder, d'être le sujet d'une étude. Non, c'est sacré. D'autres questions, interventions? La différence entre français de pure souche, touriste français de pure souche et français marocain venu de l'étranger. Il y a une grosse différence, un accueil différent et ça ne m'encourage pas à y retourner. Je peux vous dire, pour réagir un peu à cette question, peut-être que c'est un peu à côté, mais il y a beaucoup de dossiers, si on peut dire, où des Européens, français et autres, qui sont des fois impliqués dans des crimes de pédophilie, par exemple, ou de réseaux de prostitution, quelque chose comme ça, et qui sont tout simplement libérés, on les laisse partir en Europe, et c'est les victimes qui sont arrêtées. C'est des femmes, par exemple, je rappelle le cas du journaliste au journal Le Soir belge, il y a, je crois, en 2007 ou en 2008, qui filmait ses victimes, leur promettait un séjour en France, et d'avoir un travail plutôt en Europe, en France, en Belge. Et par la suite, il a été libéré et les victimes ont été arrêtées, jugées. Il y en a qui ont quitté la ville, il y en a qui ont disparu, il y en a qui n'ont plus le courage de vivre dans leur famille, etc. Et lui, il est libre. Heureusement qu'il y a aussi des militants qui soutiennent les familles marocaines et ses victimes en Belgique. C'est des avocats qui ont tout fait pour que ce criminel soit jugé. En Belgique, ils sont arrivés à le coincer, je n'ai pas d'informations par la suite qu'est-ce qui a été fait. Mais nous avons des touristes qui viennent et qui font des choses pas du tout légales et qui sont même, pas seulement des Européens, il y a aussi des pays du Golfe, etc. et qui sont en toute impunité, on en parle encore. Mais c'est vrai qu'il y a ce problème. Oui. Vous avez évoqué le livre de Gilles Perrault, Notre ami le roi, donc de l'époque d'Hassan II. Et je voudrais savoir, parce qu'en tant que citoyenne française, ce que, de votre point de vue, où en sont les relations, en particulier les atteintes, comment les atteintes aux droits fondamentaux au Maroc sont, de votre point de vue, sont abordés par notre gouvernement français. Alors, d'abord un mot sur Gilles Perrault. Gilles Perrault, depuis qu'il a écrit ce livre, il est interdit du Maroc. Parce qu'ils disent que le Maroc s'ouvre, qu'il est démocratique, que voilà. Et ben voilà un cas réel. Gilles Perrault, toujours interdit du Maroc. Gilles Perrault, il paraît notre campagne en ce moment, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vais vous laisser des tracts. On fait une campagne de parrainage des prisonniers politiques et d'opinion au Maroc, marocains et sahrawis. Et lui, il a accepté de parrainer cette campagne internationale. D'ailleurs, il va assister avec nous le 21 novembre, là, dans deux semaines, dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale. Donc il vient pour justement assister avec nous à cette soirée qu'on organise annuellement, enfin chaque année, pendant cette semaine, en solidarité avec les prisonniers d'opinion au Maroc. Donc marocains et sahraouis, parce qu'on a une liste de 334 marocains et sahraouis que Khadija a cité tout à l'heure. Nous avons des syndicalistes, des étudiants, des chômeurs, des enseignants, des avocats, des 20 février, du mouvement, enfin des défenseurs des droits de l'homme, un peu pêle-mêle. Maintenant, revenant à la relation entre le Maroc et la France, concernant quand le mouvement 20 février a démarré,
en 2011, l'ambassade française a convoqué, a invité, nous c'est une convocation, des militants des partis de gauche progressistes qui participaient à ce mouvement. Pour, justement, leur dire, voilà, que le Maroc, c'est une exception dans la région, et qu'il y a une clairvoyance, et que, donc, il ne faut pas... voilà, il ne faut pas sortir dans, avec le mouvement féminin, il ne faut pas sortir dans la rue pour... Voilà. Au même moment, c'était le ministre des Affaires étrangères à l'époque, c'était qui ? C'était Alain Juppé. Aux Nations Unies, il va aller dans le même sens, c'est-à-dire disant le Maroc est sur la bonne voie, des initiatives clairvoyantes, et que le Maroc a une monarchie constitutionnelle, parlementaire, qui est démocratique et qui s'ouvre sur le monde. Et donc, il n'y a pas besoin de manifester, il n'y a pas besoin de changement. Il faut consolider cet état de droit. Et donc, et c'est ça le problème qu'on a avec les autorités françaises. C'est qu'à chaque interpellation, on a une fin de non-recevoir. Nous n'arrêtons pas de l'envoyer des lettres d'interpellation, nous avons toujours la même réponse. Pire, quand il s'agit par exemple d'affaires d'État, comme l'affaire Memark. Tout le monde connaît l'affaire Made in Memark. La France est impliquée à fond dans cette affaire, le Maroc aussi, plus les autres services secrets américains et israéliens. Donc je parle du côté de la France. Nous avons un juge qui est Patrick Ramahel, qui essaie de faire bouger l'affaire. Il a envoyé pas mal de commissions rogatoires au Maroc. Bon, ça c'est le côté marocain. Il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Aller voir avec la France, parce que c'est là-bas que Denis Moukka a été enlevé, assassiné, etc. Donc pour le Maroc, lui, il se lave les mains. Avec même des arguments qui ne tiennent pas la route, parce que le jour où le juge a envoyé donc cette commission, il est allé lui-même pour interroger Hosni Ben Slimane, qui est le chef de la gendarmerie marocaine, parce qu'il est impliqué dans cette affaire de musée. Hosni Ben Slimane, c'est l'homme à tout faire au Maroc, c'est le pouvoir lui-même. Et vous savez comment on lui a répondu au Maroc ? Au juge Patrick Ramahel, on lui a dit, on n'a pas son adresse. On n'a pas son adresse. Parce qu'au moment où le juge était là, Hosni Ben Slimane était à la Mecque, je crois, faire son pèlerinage. Et donc, on n'a pas son adresse. Rentrez chez vous. Bon, ça c'est le volet marocain. Mais ici en France, le problème ici en France, c'est que le même juge, avec l'avocat de la famille Morka, essaie de faire bouger l'affaire avec des... Mais le parquet... bloque toujours les plaintes et les commissions. Au contraire, nous allons, enfin, ils vont instruire d'autres plaintes contre le même avocat de la famille Ben Bakka, qui est maître Butin, Maurice Butin, venant d'un Marocain cette fois-ci. Le Marocain qui est impliqué dans la famille et son avocat accusent d'être parmi ceux qui ont participé au rapt. Un Marocain, c'est comment il s'appelle Tounsi. Voilà. Tounsi. Le Marocain, donc Tounsi, il vient déposer une plainte ici en France contre l'avocat. Et là, la France, lui, elle va bouger. On lui a donc fait un procès à Lille. Et il est encore en cassation parce qu'apparemment, il a été relaxé, l'avocat, heureusement. Mais c'était le premier jugement. Le parquet fait appel. Et là, il va passer en cassation. Donc, c'est vraiment dire. C'est dire, donc, les relations entre les officiels français ne nous facilitent pas la tâche, enfin, pour nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du Maroc, ils nous sortent. Regardez ce qui se passe en Algérie. Attention, regardez ce qui se passe en Libye. Mais qui c'est qui est responsable de la Tunisie ? Qui c'est qui est responsable de la Libye, si ce n'est pas Ali Oumari à l'époque, vous vous rappelez au moment des événements en Tunisie, elle voulait envoyer
envoyer des je sais pas quoi, voilà. C'est ce qu'ils veulent faire avec le Maroc. Ils sont en train de refaire la même erreur avec les autres peuples. Ils le font avec le Maroc. Et là, ils appuient à fond la politique marocaine étatique. Regardez rien qu'en ce moment, il se tient à Lima. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'Institut du Monde Arabe. À l'Institut du Monde Arabe, il y a le temps... Le Maroc est à l'honneur parce qu'on organise des festivités, etc. À l'Institut du Monde Arabe, à la mairie de Paris, et j'en passe. Ou Louvre aussi. Mais c'est pas... Je suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais simplement, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. C'est pas... On n'a pas un état de droit au Maroc. D'accord ? On n'a pas un état de droit au Maroc. L'état de droit, il faut le construire. Et on est en train de le faire. C'est un Français... qu'il est arrêté au Maroc, on appelle le secrétaire de consul, c'est un Français de deuxième génération, la première génération, et le secrétaire de consul, il débrouillez-vous avec entre vous. Donc c'est là, il donne tout le pouvoir, parce que c'est tout le temps caché, on en parle toujours du Maroc, mais le Maroc, tout seul n'était rien, s'il n'était pas soutenu par les capitalistes du monde. C'est là-dessus qu'il faut aller. Je voudrais justement, si vous permettez, de réagir, parce que sur la question de la France, ne pas oublier aussi, il y a des livres qui sont écrits par des journalistes marocains, le livre Paris de Marrakech qui montre bien les alliances, les intérêts en commun entre les politiques français et les politiques marocains. Il y a aussi le livre qui n'est pas encore au Maroc, en tout cas, qui vient de sortir, je viens de l'acheter tout à l'heure, d'Arnaud Bouluxi, qui parle aussi du fils de notre ami, d'ailleurs préfacé par Gilles Perrou, qui parle des choses qui sont dedans, c'est que toute la stratégie du pouvoir marocain au moment du 20 février, les luttes des Marocains pour la démocratie ont été faites ici en France. Ils sont venus là et tout a été préparé, toute la stratégie et tout. Donc c'est vraiment des alliances très étroites, des intérêts en commun. Bien sûr, on fait complètement la différence entre les démocrates français, le peuple français, et les politiciens français qui sont tout le temps à la Mamounia, à Marrakech et tout. Donc c'est des intérêts. Tout à fait, on sent qu'il y a encore un esprit colonialiste, des relations colonialistes, des intérêts d'une force économique avec un pays pillé. Il y a des grands projets énormes, le TGV par exemple. Il y a un collectif contre le TGV au Maroc parce que c'est un projet qui n'a rien à voir avec les besoins des Marocains. C'est de l'argent énorme qui va être mis à l'intérieur. Personne n'a décidé au Maroc de faire ce projet. C'est des intérêts communs entre les quelques personnalités qui ont du pouvoir au Maroc et des sociétés, des capitalistes et des personnes qui ont du pouvoir ici avec des intérêts aussi. On dit que c'est une compensation parce que les armes n'ont pas été achetées de la France et elles ont été achetées des États-Unis. Donc pour compenser, on a donné ce cadeau aux Français, le peuple français, les sociétés qui vont profiter de ce projet, etc. Donc c'est encore cet esprit. Et c'est la protection de la dictature et du despotisme qui continue au Maroc. Je rappelle aussi, lorsque le discours du roi sur le projet de la Constitution, comment Sarkozy avait réagi, c'est très bien, c'est l'exemple, ça va être une Constitution très avancée, démocratique, etc., avant même que les Marocains nous disent leur nom et leur mot et qu'ils évaluent justement ces propositions. Donc nous, à l'MDH, j'en parlais tout à l'heure avec mon ami Agoté, en 2012, on avait fait un débat sur le centenaire de le protectorat. Donc c'était 100 ans après, c'est 1912-2012. On avait débattu avec un historien, des personnalités qui sont spécialistes dans le domaine, et on avait sorti un communiqué pour dire il est temps que le Maroc soit libre, que la France, en tant qu'intérêt économique et intérêt politique, que la vérité soit connue, que les crimes du passé soient... Il n'y a pas encore de vérité sur tout ce qui s'est passé. Il y a une réparation qui doit être mise en place. Il y a plein de choses qui doivent être discutées. Il faut ouvrir le débat
entre tous les peuples d'Afrique d'ailleurs qui ont connu, qui connaissent encore le pillage. Je parlais tout à l'heure des subsahariens, parmi les causes essentielles de ce problème de l'immigration, c'est le pillage. Ces peuples, ils ont de l'argent, ils ont des richesses, ils ont de quoi vivre. Mais l'Afrique peut faire vivre les peuples du monde avec ses richesses. Mais ces richesses sont pillées et ces peuples d'Afrique qui se retrouvent dans la misère et dans la pauvreté. Et puis ils vont chercher des miettes, dans d'autres pays. Donc c'est du colonialisme qui continue sous d'autres formes et c'est la lutte des peuples qui doit s'organiser comme ça. Au fond, elle peut dire quelque chose. Madame avait cité le très bon livre de Jean Perrault. Il y en a un qui sortait pas très longtemps, de deux journalistes, Catherine Grassier et Eric Laurent, qui s'appelle Le Roi Prédateur, qui est une excellente enquête du pays, organisé par le roi et le palais. Et ça montre finalement que c'est bien du roi et du palais qu'il faudrait d'abord instruire le procès, plutôt que de parler simplement de l'État, et que s'il y a des responsables, effectivement, ce sont les premières convoquées. Et ça montre aussi assez bien la complicité de l'État français, alors évidemment sur la question sahraoui, c'est assez limpide, mais également dans toutes les connivences qu'il peut y avoir entre les grands groupes français et puis le palais marocain. Donc c'est un ouvrage, je crois, qui s'appelle « Le roi prédateur ». C'est vrai que parmi les choses taboues actuellement, nous avons lancé des tabous où la presse ne peut pas parler, c'est les affaires de la monarchie. C'est ne plus parler de la torture, parler de prisonniers politiques, ce n'est plus comme avant, c'était, il n'y avait pas de risque. On peut maintenant parler de ça, mais il est très difficile pour un journaliste de faire de l'investigation, de parler des richesses et des affaires. Donc c'est là où il est très difficile de faire de l'investigation. On sait que le roi, il fait partie des chefs d'État les plus riches dans la région, par rapport même aux États qui ont du pétrole, etc. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis allé au Maroc, il avait exposé des livres, et on m'a demandé que je devais préciser le titre des ouvrages que j'apportais. Mais c'était aussi, il y avait les versets sataniques qui étaient interdits aussi au Maroc, mais qui circulaient quand même par Internet déjà par ce système-là. Et ma question aussi, c'était au niveau, il y a eu quand même aussi au niveau des attaques aux libertés, pendant le Ramadan, des jeunes marocains qui voulaient jeûner, des jeûneurs. On a poussé aussi des musulmans à la limite à les agresser, plus la police, tout ça, donc. Je trouve aussi que ça, c'est une injustice, et c'est aussi un manque de liberté. Et on a connu aussi, nous, sur Dijon, le cas, il y a des jeunes à l'époque, le cas de Mohamed Nassiri, 62, qui n'avait pas pu rentrer à la limite, sortir du pays qui en était ressorti, et qui après a eu beaucoup de difficultés pour rentrer, pour voir sa maman qui était assez qui était souffrante à l'époque. Et ça, c'est avec la TMF. La liberté du culte, c'est une des libertés qui sont vraiment bafouées au Maroc. Ça fait partie des trois lignes rouges, si on peut dire, parce que les trois tabous, les trois lignes rouges, c'est la religion, la monarchie et la question de Sahara. Donc, dernièrement, il y a eu un jeune qui a été jugé, qui a été en prison, il a été acquitté par la suite, parce qu'il a choisi de se convertir au christianisme. Et il y a dans le code pénal des articles qui pénalisent le fait de déclarer qu'on n'est pas musulman, le fait qu'on n'a pas le droit de changer de religion, de sortir de l'islam. Et ça pénalise aussi la consommation de vin, alors que le commerce du vin il est partout au Maroc. Et les restaurants servent du vin et tout. Et il y a un article qui met en prison une personne qui est musulmane, qui achète du vin, pas seulement qui consomme, qui achète du vin. Il y a aussi des articles qui pénalisent les personnes qui mangent en public pendant le jour en Ramadan. Et on a beaucoup salué ces jeunes qui ont eu le courage de au moins ouvrir le débat, parce qu'on sait très bien que c'est très difficile d'entamer certains sujets. Et au Maroc, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement l'État, mais il y a aussi
des courants dans la société, parce que justement les politiques publiques marocaines n'encouragent pas la diversité, la liberté, la tolérance. C'est les politiques publiques qui ont créé cette société intolérante. C'est pas, on ne peut pas dire à l'État n'y est pour rien, c'est d'autres personnes qui sont venues, mais c'est parce que l'État n'a pas créé l'ouverture, n'a pas encouragé les gens à respecter les choix des uns et des autres, parce que ça fait partie de la politique de l'État d'utiliser, d'instrumentaliser aussi la religion, parce que ce n'est pas seulement les courants islamistes et les partis islamistes, l'État lui-même, le pouvoir politique lui-même, il instrumentalise la religion, et c'est un instrument de domination et d'hégémonie. Juste un autre exemple qui est encore frappant, des mineurs, des jeunes à Nador, qui se sont donné un bisou. À la sortie d'un lycée, un jeune donc embrasse sa copine, le troisième copain prend la photo, il la met sur internet, voilà, et voilà, la justice marocaine leur tombe dessus, des mineurs, donc 15 ans, se retrouvent en prison pendant un certain temps, hein, parce que la justice leur reproche l'atteinte à la pudeur. Et heureusement qu'il y a eu une mobilisation des 60 droits de l'homme au Maroc comme ici, et ils ont été relaxés finalement. Pour dire que... Pourquoi les ONG, les associations de droits de l'homme n'arrivent pas à ouvrir les yeux des Marocains et des Marocaines? Pourquoi les ONG n'arrivent pas à ouvrir les yeux des Marocains? Les hommes, monsieur, je ne fais que répéter. C'est la trouille. Les Marocains, ils le voient faire. D'accord. Pourquoi ils n'arrivent pas à ouvrir les yeux? Parce qu'on n'a pas les mêmes armes. Le pouvoir, il a la télévision, il a l'école. Il a tous les moyens de faire passer des messages énormes et de formater les esprits. C'est pour ça que nous considérons que la télévision, la libéralisation, si on peut dire, pas libéralisation économique, mais la possibilité d'utiliser la télévision par les ONG de droits de l'homme, par les démocrates, par les défenseurs des libertés et tout, c'est un des combats les plus importants au Maroc, parce que justement la télévision est utilisée pour la propagande politique, c'est la pensée unique en fait à la télévision. On fait des débats, on dirait que c'est des débats contradictoires, mais il y a des limites qu'on ne dépasse jamais. Toutes les personnes qui sont connues par des critiques fortes, c'est-à-dire qui ne respectent pas ces tabous, qui veulent ouvrir le vrai débat, on ne les voit jamais, jamais à la télévision. Et donc, c'est des instruments, des armes et des outils très forts. On n'a pas les mêmes outils, mais il y a Facebook, il y a Internet, il y a les clubs de droits humains, il y a qu'on organise dans les lycées. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de jeunes qui s'engagent, qui militent, qui changent d'idée. Donc, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a pour faire. Et Jean, tu as demandé ? Oui, j'aimerais savoir la position de votre association, de vos associations, vis-à-vis des sanctions extraordinairement lourdes qu'on frappe les militants sahraouis, condamnés principalement pour leur liberté de penser, alors qu'ils n'ont commis aucun crime véritable. Je commence pour ma part, pour l'association de défense des droits de l'homme au Maroc, et je crois sur ce point, avec la NDH, on est sur la même longueur d'onde, on va dire. Nous considérons que l'État marocain, avec ses atteintes graves aux droits de l'homme, n'est pas ni marocain, ni sahraoui. Pour les sahraouis, nous avons la position suivante, c'est que, quelle que soit la position des uns et des autres, un défenseur des droits de l'homme est appelé à défendre le point de vue des Sahraouis. C'est pourquoi, et à la MDH, et à l'ASDOM, nous avons toujours, dans nos publications, toujours cité les atteintes que subissent les Sahraouis. Voilà. Donc c'est clair et net. Quelle que soit la position de nos militants, qu'ils soient pro-marocanité du Sahara ou pour l'autodétermination du peuple sahraoui, nous considérons que
toute position a droit de cité. Et personne n'a le droit de réprimer quelqu'un ou d'empêcher quelqu'un d'exprimer sa position. Nous, nous appliquons ce qu'on appelle... Voltaire disait à l'époque, Voltaire disait que je peux ne pas être d'accord avec votre position, mais je me bats, je suis prêt à mourir pour que vous exprimiez votre position. Et voilà notre position par rapport au Sahara. Donc nous sommes clairs là-dessus. Et les Sahraouis, autant les Sahraouis que les Marocains, que les Algériens, que, ont le droit d'exprimer des positions sur d'autant plus que le sujet nous dépasse de loin, dépasse les Marocains et les Sahraouis. Il est à l'ONU le problème. C'est un problème de décolonisation. L'ONU doit trancher ce problème. Nous sommes défenseurs des droits de l'homme. Nous ne sommes pas des partisans, nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas pour... Mais nous sommes pour les résolutions de l'ONU dans ce cas-là. Et nous tenons l'ONU, comme les États impliqués dans ce conflit, responsables du malheur de tous les peuples de la région. Parce que quand on parle de la région, nous préférons dire les peuples du Maghreb. Il faut que ces peuples du Maghreb se libèrent du joug du colonialisme et du néocolonialisme. Voilà la position de principe. Et pour revenir aux atteintes des droits de l'homme, là, nous sommes intransigeants. Nous sommes intransigeants. Dans nos publications, vous allez voir, par exemple, on met la liste des prisonniers politiques, marocains, sahraouis. Nous avons des groupes bien identifiés. Ceux qui font partie du Sahara occidental, on les appelle les Sahraouis, parce qu'ils se déterminent en tant que... C'est des victimes d'emprisonnement par rapport à ce sujet-là. Et donc, nous sommes clairs sur ce sujet-là. Ce sont des personnes qui ont le droit d'exprimer leur position. La même chose pour les autres qui disent que le Sahara est marocain. Ils ont le droit aussi de dire leur position et voilà, exprimer leur position, et on ne peut pas les empêcher. Une association de défense des droits de l'homme doit interpeller les États impliqués dans ce conflit, parce que nous avons des peuples qui souffrent. Nous avons des peuples qui souffrent dans cette région, et depuis 75, depuis même avant 75. Et les États, Maroc, Algérie ou d'autres qui sont impliqués dans ce conflit, font beaucoup durer le problème parce qu'ils se font beaucoup de bénéfices sur le dos des peuples de la région. Voilà notre rôle en tant que défenseur des droits de l'homme, et nous dénonçons donc toute atteinte de quelque part. Pour l'MDH, je dirais d'abord, au sein de l'MDH, il y a plusieurs points de vue politiques, parce que c'est diversifié. Il y a des membres de l'MDH qui sont pour la position que le Sahara est marocain, qui fait partie du Maroc. Il y a d'autres qui sont membres de l'MDH, qui sont pour l'indépendance du Sahara. Donc au point de vue politique, on est divergent. Il y a de tout. Mais la position de l'MDH, en tant qu'MDH, on ne se prononce pas sur le conflit politiquement, mais on se prononce sur la situation des droits de l'homme, des droits humains. Alors on est pour une solution démocratique du conflit qui est acceptée par toutes les parties, et qui prémunit la région contre la guerre, contre les conflits, etc. Et d'un autre côté, on dénonce toutes les violations des droits de l'homme, quelle que soit leur source, qu'elle soit de l'État marocain, qu'elle soit du Polisario, on est contre toute violation des droits de l'homme. On ne fait pas de différence entre la source. Autre chose, c'est que nous sommes la seule association de droits humains au Maroc qui est pour l'élargissement du mandat du MINURSO, pour qu'il supervise aussi la situation des droits de l'homme. Et on a eu énormément de problèmes pour cette position. On a été attaqué sur la presse, sur les sites internet, sur des campagnes d'énigrement contre l'MDH, comme quoi étant vendu à l'Algérie, étant plein d'insultes, parce qu'on est pour une position, on la partage avec Human Rights Watch, on la partage avec Amnesty International, mais pas avec les ONG marocaines. Les ONG marocaines, malheureusement, ils ont même fait une réaction, c'est-à-dire invitée par le CNDH pour faire une lettre à Ban Ki-moon pour être contre cette proposition d'élargissement du mandat de la MINURSO. On est bien sûr évidemment pour la liberté d'expression, quelles que soient les positions sur le conflit, les positions politiques, tout le monde a le droit de s'exprimer,
et que le débat soit ouvert. Et on a toujours été aux côtés des prisonniers politiques sahraouis avec Denizi, qui est notre rapport qui est sorti, qui montre toutes les violations que les Sahraouis ont subies suite à ce qui s'est passé avec Denizi. On est aussi avec les familles des forces de l'ordre, des membres des forces de l'ordre qui ont été tués, et on cherche encore la vérité parce qu'on a observé le procès de Denizi. On sait que c'est un procès inéquitable, que toutes les personnes qui ont été arrêtées n'ont rien à voir avec les crimes qu'on leur reproche. Le tribunal n'a pu apporter aucune preuve, d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls, même le réseau euro-méditerranéen, même d'autres ONG internationales qui ont observé le procès, ont fait des rapports en disant qu'il n'y a pas eu de preuves contre ces Sahraouis. Ils sont arrêtés pour leur position politique sur le conflit de Sahara. Donc on demande encore la vérité, nous, pour les victimes des forces de l'ordre, pour connaître qui a tué les membres des forces de l'ordre. Donc on est vraiment... pour les droits humains, tels que reconnus universellement, on est très attaché au principe universel des droits de l'homme, des droits humains pour le Sahraoui et pour le Maroc. Est-ce que votre roi du Maroc, le Premier ministre, explique, comme en France, à Netanyahou qu'il peut sans problème bombarder Gaza? Est-ce qu'il fait des visites officielles où il va chanter avec Netanyahou chez lui, Edith Piaf, etc. Non, la position par rapport à la Palestine, quand même. Est-ce qu'on peut regrouper les questions? Peut-être une vraie ligne, puis après, peut-être laisser les intervenants. La CNT, en fait, je voulais être solidaire des actions qui ont été menées au Maroc par des camarades qui sont en lutte là-bas, construire un rapport de force par la base, sur une base de solidarité de classe. Et juste pour ajouter une couche par rapport à la France et la complicité vis-à-vis du Maroc, d'autant plus tout ça aussi qu'on organise ici, qu'on organise des choses en France et qu'on participe à organiser des choses, c'est justement pour dénoncer aussi la complicité de la France là-dessus. Juste, vous avez parlé de la Minurso par exemple, c'est pour ceux qui ne savent pas, la mission de l'ONU pour l'application du l'autodétermination au Sahara occidental, qui a été réglée par l'ONU en 1991 et depuis, il n'y a toujours pas de référendum. Et l'extension des droits de la Minurso sur les droits de l'homme, qui c'est qui s'oppose à l'ONU? C'est la France sur les peines qu'ont eu les Sahraouis, donc les 22, certains ont été députés, on n'a pas vu depuis des années de plomb quand même ces peines-là. Militaire. Bien sûr, aujourd'hui, les intérimaires de phosphate sont en lutte depuis de longs mois. En 2008, c'était 850 licenciés à l'office chérifien. Et je voulais ajouter, donc, nous, on a été toujours solidaires, même après, par rapport au mouvement du 20 février, ce qui est quand même particulier, c'était le fait que les syndicalistes, les habitants, les chômeurs, les étudiants soient tous ensemble dans une lutte. Et il y a eu une baisse après le mouvement du 20 février, mais quand même récemment, donc là je vais parler des luttes syndicales, il y a eu quand même le 29 octobre un appel à la grève générale, ce qui est historique depuis 1981, et donc qui a été appelé par différentes centrales syndicales au Maroc, et donc vous voulez savoir par rapport à cette grève générale, comment ça a été suivi, qu'est-ce qu'il en est, et une grève appelée par différentes centrales sur la question de la cherté de la vie, et sur les réformes de retraite, et puis en général sur la situation au Maroc. Pour la position sur la question de la lutte du peuple palestinien, je crois qu'il y a un mouvement assez important parmi les marches qui réussissent au Maroc, c'est les marches de solidarité avec le peuple palestinien, parce que tout le monde s'y retrouve, en général, que ce soit des islamistes, des laïcs, des gens de gauche, etc. La position officielle, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. On entend beaucoup de discours sur le soutien du peuple palestinien, mais on sait que depuis toujours, le régime marocain a toujours été du côté d'Israël. Donc, il y a même, à un certain moment, il y a même eu des relations diplomatiques, alors que les peuples de la région, les peuples, ce qu'on appelle les peuples arabes, par commodité, ont toujours été contre. D'ailleurs, au Maroc, il y a un mouvement pour interdire ou comment dire, pénaliser les relations, la normalisation des relations, comme c'est un peu comme BDS, il y a aussi BDS au Maroc, mais c'est une lutte des mouvements démocratiques au Maroc et des Marocains en général contre justement cette hypocrisie des positions officielles sur la question du peuple palestinien.
Alors pour le mouvement du 20 février, je ne dirais pas qu'il y a eu les syndicalistes et les, tout dans la rue, parce que l'État, le pouvoir marocain il a joué les cartes de neutraliser justement le mouvement syndical. C'est une des faiblesses de notre lutte du 20 février. Ah d'accord, parce que oui, parce qu'il y a eu l'accord du 26 avril 2011 où il y a eu une augmentation des salaires qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire du syndicalisme marocain pour les fonctionnaires et d'autres petites choses qui ont été données. C'était pour dire aux syndicats, il ne faut pas aller dans la rue. Vous avez par contre les 800 ouvriers de l'OCP ont été réintégrés grâce à la lutte du mouvement du 20 février. Les 850 ont été réintégrés. Actuellement, il y a de nouveaux ouvriers de l'OCP qui militent pour intégrer l'OCP parce qu'ils travaillent dans le cadre de la sous-traitance et ils veulent intégrer. C'est donc une grande lutte qui se passe actuellement. Alors, par contre, la richesse, plutôt la force du mouvement du 20 février, c'était que pour la première fois dans l'histoire du Maroc, les islamistes et la gauche se retrouvaient en même temps dans la rue. Et c'est ça ce qui a fait peur au pouvoir marocain, parce que dans toute son histoire et jusqu'à maintenant, il a toujours utilisé les divergences, il a toujours encouragé les chakakats, les scissions, etc. Donc il a toujours monté les divisions, voilà. Donc c'est son arme, c'était les divisions. Donc lorsqu'il a trouvé, je rappelle que dans les années 70-80, quand la gauche était assez forte, assez présente, et c'était l'encouragement des islamistes pour être plus forts. Lorsque maintenant les islamistes sont plus forts et la gauche est faible, donc c'est le contraire. C'est le discours du modernisme, la lutte contre le terrorisme, etc. Donc lorsque les islamistes et la gauche se sont retrouvés dans la rue au moment du 20 février, c'est ça ce qui a fait peur. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce que Ayed avait annoncé, quelques concessions sur quelques aspects. Mais une fois le mouvement a été devenu faible, vu plusieurs raisons, plusieurs facteurs, on peut discuter sur les raisons qui ont affaibli le mouvement. C'est peut-être aussi ce qui se passe actuellement dans la région, en Libye, en Égypte, etc. Mais le mouvement est toujours là. Il sort encore une fois par mois, au moins des manifestations mensuelles pour dire qu'on est toujours là. Alors pour la grève du 29, vous savez qu'au Maroc, être syndicaliste, c'est pas évident. J'en ai parlé tout à l'heure, pour créer un bureau syndical dans quelques secteurs, on risque son poste, on risque sa liberté. Donc les syndicats n'ont pas vraiment les chances d'être forts. Donc le taux d'encadrement est très faible au Maroc. Le nombre de salariés qui adhèrent au syndicat, c'est très très faible. Donc la grève, finalement, elle a réussi dans la fonction publique, dans les collectivités locales, mais pas dans le privé. Il y a quelques secteurs comme les banques, comme le transport à Casa, mais en général, le secteur privé n'est pas organisé. Donc la grève, elle a surtout touché le secteur public.